Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo très spéciale, vous avez été nombreux à vouloir la suite de cette vidéo. Aujourd'hui on va lancer une graine et on va visiter des maps un peu chelous. Avant de la commencer, je suis avec aussi Lucas Louis qui va m'accompagner pour cette vidéo. Bonjour. Ça va ouais. T'es chaud ou pas? Creeper il a bouffé toute la bouche. Ouais bah ça on se doute. Donc les potes, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas de mettre mon code créateur sur Fortnite, les gars, c'est full boss. Et n'oubliez surtout pas de me suivre sur Instagram et sur Twitch, c'est full boss tiré du bas. Voilà, ça ferait plaisir. Je compte sur vous et aussi proposez-moi des idées de vidéos dans les commentaires. Donc du coup, pour la graine, alors au niveau du nom du monde, on s'en tape. Vous pouvez mettre, glace, voilà, on s'en fout. Game mode, on va mettre en survie, on va laisser en... On va mettre en facile, comme ça il y aura quand même les mobs. Donc texture pack, vous touchez pas. Ok. Ça au niveau des texture pack, j'aurai une vidéo à vous faire en présentant avec un texture pack chelou. Enfin, je vous montrerai plus tard. Luc et Louis, il connaît tout ça. Alors, ce que vous devez faire. Yes. Vous mettez tout ce qui est privilège d'hôte, vous activez. Ce qu'il faut désactiver, attendez. Là on est bon, mob spawning, immediate respawn, ça on s'en fiche, surtout pas. Faut juste que vous puissiez vous mettre en créatif et en survie, tu vois le bail. Après la graine, on la met juste après, on enlève on met disable autosave. Ça on s'en fout. Amplified word, on pourrait le mettre en vrai, mais bon. Ok, du coup on va mettre la seed les frérots. Au niveau de la seed les gars, c'est une seed assez spéciale. C'est assez simple même, elle s'appelle Aurore. Tout simplement. Donc horreur c'est en anglais, ça veut dire horreur en français, simplement. Et donc on va amplifier le world car ça va tout modifier. Vous allez voir que là le monde sera complètement différent que si vous le mettez pas. Donc là très important, on fait create new world. C'est parti. Ok, let's go. Member, c'est parti. Initialing server, loading spell area. Loading la zone de spawn. Donc là vous attendez 30-40 secondes. Et la map bah, va se lancer directement. Minecon 2013 était à Orlando en Floride. D'accord. J'ai jamais regardé une Minecon en entier. Moi non plus. Ah, c'est bon, ça spawn les gars. Nickel. Ok. Ok, donc là on voit les gros. On voit les mondes. On voit les mondes, simplement. Les frérots, on va continuer. On va faire la vidéo tout seul. Parce que bah, Lucas Louis est parti le temps que je lance la map. Du coup, c'est vraiment un gros bâtard. Bref, je peux pas me permettre de couper les vidéos comme ça. Du coup, on va... Ok, donc déjà, ça commence bien. Il y a un petit bloc qui flotte, là. Il y a un petit bloc qui flotte, chelou. D'accord. Ok. Bon, ça, on va dire, c'est... Un peu chelou, mais on a connu pire. Donc, si vous voyez des choses, des trucs bizarres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà, j'avais prévenu, il y a vraiment plein de trucs qui flottent et tout, c'est grave bizarre. Il y a des plateformes de skyblock en terre. What? Alors ça par... Ah non, ça par contre... Non. Je suis pas d'accord. Là, je suis pas d'accord. Tu vas me dire qu'il y a du sable qui est en lévitation comme ça, là. Là, il y a même pas... Le sable, il touche rien, là. Là, tu vas pas me dire... Ouais, mais regarde... Là ok, les abonnés, il y a des abonnés qui m'ont expliqué qu'en fait, le sable, quand tu lances une map, il tombe pas parce qu'il est collé aux autres trucs. Tu sais, comme un vrai bloc. Mais pour qu'il se regène en vrai, en bloc qui tombe, tu dois péter le bloc à côté. Genre, tu dois faire ça. Enfin, tu dois faire ça, quoi. What? Ça marche pas. Ah, voilà, là, ça marche. Et là je comprends pas pourquoi... What? On peut marcher dessus, c'est du sable pourtant. Bah là, franchement, les gars, vous allez me dire, ça, c'est normal de voir du sable comme ça en lévitation? Et voilà, là, ça tombe. Ouais, par contre, c'est vraiment très, très, très bizarre. Ça, c'est satisfaisant, par contre. Et il tient, hein. Putain, mais il tient le sable. Il y a tout qui... Ouais, si, il y a tout qui tombe. Ok. Donc là, déjà, on a un peu des trucs chelous avec le sable. Là, on va regarder... What the fuck? Ok, donc là, c'est vraiment The Map Lévitation 78. Il y a que des trucs qui volent. Oh, la grosse grotte, là, est pas mal. Très stylée. D'accord. Et aussi, proposez-moi d'autres trucs, d'autres seeds de graines dans les commentaires qui sont chelous. Par exemple, il y a des graines, je sais pas, d'Herobrine, des graines de Clown Tueur, des graines de, je ne sais pas, des graines de Toy Story. Enfin, je dis n'importe quoi, mais peut-être. S'il y en a qui connaissent des graines avec, je sais pas, vraiment des villages bizarres, des manoirs bizarres, ou je sais pas, où il y a des mobs, vous avez vu.
S'il y en a qui ont des graines où ils ont déjà vu Herobrine ou des monstres et tout, bah n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir. Là, on va aller... Alors là, je cherche vraiment quelque chose. On a trouvé quelques trucs, mais là, on trouve plus grand chose. Ah, peut-être que là-bas. Attends, on va voir là-bas. La terre en lévitation, des grosses montagnes. Donc là, c'est vraiment une map spéciale parce qu'on est sur une map en totale amplification. C'est-à-dire que tous les trucs sont 10 fois plus gros que la normale. Donc normalement, ça permet d'avoir des trucs encore plus ouf que si je l'avais pas fait. What the fuck? C'est quoi ça? C'est un crâne head. Ok, les gars. Ça, c'est pas normal, ça. Ça paraît naturel, mais pour moi, c'est pas naturel. Hein. Pour moi, c'est pas naturel, ça. Wesh, c'est quoi ça? What? Pourquoi plein de trucs en... C'est quoi cette croix là? On en parle, la croix elle était comme ça là? C'est pas une croix ça. Si? Wesh, c'est une croix bizarre, hein. Franchement les gars, c'est grave chelou, hein. Ok, donc là il y a une balise. C'est normal ça? Ça existe pas ça? What? What the fuck? Wesh. Il y avait... Hein? What? Je deviens fou les mecs. What? Il y avait les têtes là il y a 2 secondes, on en parle ou pas? Comme si, tu sais, elles étaient arrivées, mais en même temps il y avait rien. C'est trop bizarre. What? Ah, c'est le portail. Non. Attends. Non, ta gueule. Me dis pas que... Ok. C'est le portail de l'Ender là? On voit tout noir. On est où là? Non, mais c'est pas le portail de l'Ender. Normalement, ça c'est censé t'indiquer où il y a le portail de l'Ender. Bon, bah on y a cru, hein. Par contre, les gars, là vous me dites dans les commentaires si vous trouvez ça normal qu'il y ait eu une balise et que j'ai reçu des. Ça vient d'où ça? Ça vient d'où ça, les yeux de l'Ender? Attends. Il n'y a pas un truc là-haut là? Dans cette montagne, non, y a rien. Attends, mais mec, je reçois des trucs chelous, hein. Attends. Ah non, c'est encore loin l'œil de l'End. Ok. On va aller un peu plus loin. Par contre, là, les gars, y a des petits trucs chelous, hein. Y a des petits trucs chelous, des blocs en lévitation de magma. Y a des balises. On va dire que bah, les balises, en fait, c'est un truc naturel dans le jeu. Parce qu'en fait. A chaque fois, je m'emballe devant les trucs. Et dans la dernière vidéo, j'ai regardé les commentaires. Tout le monde qui me dit, ouais. Enfin, dans ma dernière vidéo, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'en fait, c'était possible qu'il y ait ça qui spawn. Vu que c'est des blocs aléatoires, dans Minecraft, c'est possible que. Ouais, non. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible, frère. C'est pas possible. On est dans le Nether, les frérots. Alors, est-ce que le Nether se porte bien? C'est ça, la vraie question. Est-ce qu'il se porte bien? Bah, il a l'air normal, le Nether, hein, franchement. On va retourner dans la map, les gars. Par contre, c'est vraiment bizarre, hein. J'ai jamais vu un portail aussi grand, hein. C'est pas... What? Comment ça se fait que le portail est dit plus petit maintenant? What the fuck? Franchement, la map, elle est cassée, hein, les gars. Vous avez vu, hein? On est d'accord. Ah non, what? Mais pourquoi je suis ressorti ailleurs? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun fucking sens. Il y a encore une balise. Elle a encore allumé, la balise. On va regarder s'il n'y a pas un trésor en dessous. Non, il n'y a rien en dessous. Bon, j'ai pété la balise. Fuck. Ok, bon, on va retourner dans le Nether vite fait. On va ressortir pour voir si je reviens au même endroit. Pour voir si c'est vraiment cassé. Ah, je spawn vraiment dans une grotte, hein. What the fuck? Franchement, les gars, c'est vraiment what the fuck? Je sais plus quoi dire là. Non. Non, là, franchement, c'est trop, là. Enfin, bref,
Je sais pas vous en pensez de cette map, mais je trouve qu'il y a que des trucs bizarres qui se passent dedans, c'est... J'ai rien compris là. Et attendez, on a eu une croix bizarre, on a eu une balise, on a eu un pendu, on a eu un portail avec une autre balise, et quand on reprend le portail, on ressort d'un autre portail encore une fois. C'est un peu... c'est insensé. Hein. C'est vraiment insensé, je comprends rien du tout. Là, on a 45 crânes de Steve. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. Il m'a mis un dead you. Je sais pas qui est le mec derrière son écran, là, mais what the fuck. What the fuck. Dead you. Je vais regarder s'il n'y a pas encore des trucs à côté. Parce que là, on est... The fuck. Je ne dirai rien. What the fuck. C'est quoi cette map? What? Il n'y a que des trucs chelous, hein. Que des trucs chelous. Bruh. Look at this dude, look at his hair, bruh. Ok. Voilà, maximum d'orage. Bon, je vais enlever la pluie et tout, mec. Je vais me mettre en jour parce que ça devient chelou, là. Non, jour, on va se mettre en clear. Bref. On va s'arrêter là pour la vidéo parce que il commence à avoir vraiment trop de trucs chelous, hein. Il y a encore des trucs qui spawnent, des têtes. What the fuck, il y a encore des crânes qui se mettent. Je comprends rien là, ça s'arrête plus là. Je vais arrêter parce qu'après, la map va crash ou des bails comme ça quand il y a trop de trucs. Bref, maximum de likes, abonnez-vous, proposez-moi d'autres graines à visiter. Et bah là, c'est la graine Aurore. Donc n'hésitez pas à la tester et dites-moi si vous trouvez des trucs bizarres comme moi. Et tester sans amplifier le monde, ok? Sans amplifier le monde pour voir. Et je pense que je testerai de faire une graine comme ça, mais genre à 2, 3, 4 heures du matin. Et dis-moi, vous êtes chaud pour faire ça, genre très 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 tôt le matin. Parce que souvent, il y a une... Comment s'appelle? Une légende qui dit que sur Minecraft, si tu joues très tôt le matin, et ben t'as vraiment des trucs, mais ultra bizarres qui se passent. Bref, on verra ça. Allez, les gens, c'est full boss. Ciao!